Carl Levin, c'est le pourfendeur des paradis fiscaux. Lors de la précédente législature, il avait présenté un projet de loi sur ce thème avec un certain Barack Obama. Et cette semaine, il a présenté une nouvelle version de la loi encore plus agressive, où la Suisse est explicitement mentionnée dans une liste noire provisoire. Donc le but de cette loi, c'est de récupérer les 100 milliards de dollars qui échappent chaque année au fisc américain. Et donc c'est un thème très populaire ici aux États-Unis en ces temps de crise économique. D'ailleurs, ce projet de loi a reçu l'approbation de l'administration Obama pas plus tard qu'hier. Donc on voit que lundi...